Salut tout, on se retrouve pour l'épisode 6 de notre partie avec les États pontificaux. On a déjà le sud de l'Italie, malheureusement c'est ce qui nous intéressait le moins. On essaye de progresser doucement vers le nord, mais pour l'instant on a un peu beaucoup d'ennemis à affronter. Rien que Venise et Gênes, ils font un bon poids. Alors faudrait que je puisse traverser moi. Je sais pas comment je vais faire ça comme ça. Hop, c'est fait. Vous êtes fous? Comment la Hongrie elle a fait? Ok, ils sont en train de mourir. Et alors? Et voilà, qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup trop nombreux pour moi. On va continuer à reculer. Le truc c'est que là, ils vont juste me siéger et mes troupes servent pas à grand chose. Hop, on a eu ce plateau. Hop, oula, un nouveau bateau qui va se faire couler. Nos troupes sont présentes plutôt de l'autre côté. Je pense que... Enfin, je sais pas, on va voir. Hop, on passe. On est passé. Il y a un petit monsieur. C'est les hospitaliers. Bonjour, messieurs les hospitaliers. Par contre, l'Autriche, qu'est-ce qui leur a pris de déclarer une guerre où ils sont aussi nombreux que nous? C'est des fous. Classé selon les conséquences économiques, j'ai moins 10 mois. Pillage de nos cités, 9 ducats. C'est intéressant cet outil. Plus 2, pillage de cités étrangères, blablabla. Ok, donc on voit en direct les malus qu'on a à se faire piller. Alors, on est quand même pas mal. On a réussi à les effrayer. On les a pas vraiment repoussés, mais ils ont un peu hésité avant de prendre Rome. Ce qui va peut-être. Oh, ils se sont pris une claque, les voisins. Qu'est-ce qu'on essaie de prendre? Istrie. Pour eux, pas pour moi, évidemment. Ah non, j'ai plus ma revendication d'ailleurs. Allons en Urbino, si jamais il y a juste un petit stack de la Castille. Oh, oh, hop. Ah, je les rattrape pas! Maintenant, il y a des Vénitiens qui arrivent, on va reculer. Mince, et voilà qui se groupe. Bon, on va libérer notre province. Là, qui viennent de partir. Ils vont où exactement? Ils vont à Naples? Genre, je suis au milieu. Ouah, ils ont fait un truc trop bizarre. Alors, un investissement à long terme. Même si j'aurais bien besoin d'argent en ce moment. Il y a une bataille là-bas, je ne peux pas trop participer. On approche du maximum en points militaires. C'est le moment de monter. J'ai accepté la culture à Splotted quand même. Ouais, c'est une des villes. Non. Ah non, c'est des Napolitains. J'ai des provinces avec un. Spolette, je sais pas exactement où c'est, mais. Il y a quoi? Il y a 3, 2, 2. 3. C'est de l'autre côté en fait ou? Non, c'est pas de l'autre côté. Ah, c'est là. Ah, donc c'est carrément un territoire à moi. Donc il doit y avoir ma culture d'ailleurs, Ombrienne. C'est ça. Bon. Là, ça vaudrait la peine que je les attaque, sauf s'ils se renforcent. Ils vont probablement se renforcer, mais. J'ai envie de tenter de faire tomber le siège. Oh! Oh non, on gagnait! Oh là là, on leur a mis le pâté sur le moral. Mais ça n'aura pas été suffisant. Et je peux pas faire sortir mes bateaux. Oh, mais je peux aller les siéger là-bas, moi. Ah non, je peux pas. J'ai eu beaucoup d'espoir pendant un instant. Et puis après, j'ai su que non, en fait, je pouvais pas. Si je perds ma capitale, je vais être bien mal, moi. Même si les conséquences économiques sont moins importantes. L'Autriche, elle fait un peu n'importe quoi. Il y a des gros paquets par là. Oh, ils ont... Non! Ils ont lâché le siège. Mais qu'est-ce que c'était ça? Alors le truc, c'est qu'ils sont juste à côté. On va aller taper ceux là-bas. Hop, changement de plan. Non, ils ont encore eu le temps de rejoindre.
On a fait plus de dégâts. Sauf si je me suis trompé de trop côté en regardant. Alors. Rome est perdue. Alors que l'ennemi s'apprête à arrêter le pape, on lui rappelle à fort propos le Passego di Borgio. Un passage surélevé et fortifié reliant la cité du Vatican et le château Saint-Ange. De nombreux papes l'ont utilisé pour fuir le danger et c'est désormais à plus de d'envisager de l'utiliser pour fuir le Saint-Siège. On va perdre un peu de prestige et pas prendre le risque de voir le pape mourir. Je sais pas ce que ça aurait comme conséquence, mais peut-être des malus importants. J'essaye de reprendre les provinces, mais c'est un peu compliqué avec tout le monde. Oh, toi, 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 toi. Oh, je l'ai pas chopé. Il me reste plus qu'à reprendre mes propres territoires. Hein. Je pense que mes bateaux sont cloués au sol vu la puissance de feu qu'ont mes adversaires. Enfin, la puissance de feu naval qu'ont mes adversaires. Est-ce que les Ottomans viennent de déclarer la guerre à la Serbie? C'est tout. Ok. J'ai eu très peur, mais ça ne concerne pas notre allié la Hongrie. Ce serait bien embêté de prendre une attaque, je pense. C'est vrai que j'ai Avignon là-bas. Ça se bat, le Brandebourg va perdre. Il a perdu. Aragon est en train de venir droit vers mes troupes, on dirait. Oh non, il les chope. Repliez-vous. Tous mes chevaux en plus. Oh là, ils font un truc trop bizarre. Hop, il me dit simple, ça augmente mon truc sur le pape, mais c'est faux. Alors, je peux monter de trucs. Production, ça augmenterait de la production en fait. Et modif lié à la réforme, modif de production. Plus 10% de production. Oh, c'est pas si mal. Corruption annuelle, ça m'intéresse pas tellement. Ça coûte juste des sous. Coût de la stabilité, bof, franchement. Tradition terrestre annuelle. Et loyauté des nobles, pourquoi pas. Ou alors les marchands. On va prendre les nobles. Hop. On a 42% du pays, c'est pas mal. Ils stabilisent à combien eux? À 58 justement. J'aimerais que l'éclair monte un peu plus haut, mais je sais pas trop comment arranger ça. Qui est-ce qu'on va prendre? Réputation. Non, on va prendre personne parce que j'ai pas de sous en ce moment. Il n'y a pas vraiment de bon commandant. Oh, il est chouette lui. Peut-être grâce à aux 10 de trucs que j'ai. De 10 de tradition terrestre que j'ai gagné. Ou alors parce que j'ai le bonus plus 50% de tradition terrestre lors des batailles. Ah, Milan m'a filé des sous, merci à eux. On perd large, mais je pense que c'est parce qu'on a plus. Mais personne n'a Istrie? Non, on a perdu Istrie. Oh, pas malin ça, franchement. On a le siège de Rome, oui. Alors moi je dis. On va chasser ceux-là. On a un 2 étoiles. Des bons bonus en morale. Hop, on les a chassés. Ah, ils sont 23 quand même. On va rester sur place et voir si ils décident de m'attaquer ou pas. On dirait que non. Bonjour, Vénitien. Ouh, ça va taper. On a perdu le siège de Avignon. On risque de reperdre le siège de Rome. Capacité de siège pour l'instant. Mince, je voulais mettre défense d'effort. Oh yo yo. Je le dis, mais je le fais pas. Alors, toi, tu dégages, je te rappelle que tu n'as rien à faire sur la pointe. Ouh, popo. Enfin, ouh, popo. On est encore beaucoup plus nombreux, on a un général et tout, mais ils sont quand même un peu trop. J'aurais dû couper mes troupes pas en deux. Je sais pas exactement où il va. De toute façon, on va rassembler toutes nos troupes. Récolte abondante. J'espère que le pape est plus à Rome. Ah, ils vont aller se cacher là-bas. Bon. Tant pis. Oh, 12, 12K autrichiens qui font des occupations un peu dans des coins paumés. C'est dommage. Je me bats comme un petit diable pour leur sauver la mise, mais.
C'est bien compliqué. Ça va se terminer en paix blanche cette affaire. Il y a beaucoup trop de monde. Oh oh. Non, m'attaquez pas. Ils m'attaquent, ils vont perdre. Non. Nananer. Ah, il y en a, ils sont décidés à partir. Ok, bon, on va se battre pendant ce temps-là. Hop, hop, gagner, gagner, gagner. On va peut-être gagner quand même. Ah, c'est chaud, on a plus finalement de monde sur le front. Dommage. Je n'aurais pas sauvé une fois de plus le siège de Rome. Alors, vous, je sais pas si c'est le plus futé à faire. Continuez à développer tes racines. Celle-là, c'est une autre province à moi depuis le début. J'ai fait un autre emprunt. J'ai plus de troupes. J'ai moins 44 de score, moi. Oh yo yo. J'ai des revendications sur Venise, mais on est en... Enfin, j'ai un réseau d'espionnage sur Venise, mais on est en guerre, donc pas utile. Hop, on se replie. On a reperdu Rome. Heureusement, j'ai pas à nouveau l'événement. Faites fuir le pape. Au moins, je peux pas être excommunié, hein, en étant le pape. Maintenant que j'y réfléchis. Ce serait bien qu'il gagne des sièges. Ce serait bien qu'il gagne sur Venise. Ah, Gênes a lâché l'affaire. Et on est à zéro. Moi, je peux reprendre Rome une fois de plus, mais il y a un moment où j'aurais plus de. Là, j'ai plus de. Oh, 15! Oh, yo, 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 yo. Non, 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 mais. Rêvez pas, faut que je me rende là. Suggérer une offre. Oh, il faudrait que je cède ça là, à Venise, je pense. Bon, on va payer cher pour limiter l'agitation. Raguse, Abruzzo, Urbino, blabla. Toutes les provinces siégées, elles sont assez agitées. Ce sont tellement de surprises. Bon, ce serait bien qu'ils fassent la paix. Ça se bat et on gagne. Peut-être une occasion. Ça va peut-être pas durer longtemps par contre. J'ai cru qu'on avait 50%. Mais non, on a juste 5. Les nobles perdant d'influence. On va se grouper à eux. S'ils se groupent pas à moi. Est-ce qu'ils sont vraiment 2000? Parce que. Ouais, et non, ils sont vraiment 2. Dans ce cas-là, on va quand même. Ah ah! Bah, soit ils se replient, soit ouais, ils sont fait massacrer. Je lutte pas contre 42 bateaux vénitiens, moi. Quand il y en a deux, je dis pas. Là, j'y vais le 11 et là, j'y vais le 8. C'est mieux le 8. J'ai plus que 13 000 hommes. On n'a pas l'objectif de guerre, donc là, on perd. Je comprends pas tellement ce qui fait à l'IA déclarer des guerres alors qu'elle peut pas la... Enfin, comment elle veut qu'on la gagne exactement? On est séparés, ils sont au milieu de nous, et ils sont au moins aussi nombreux. Qu'est-ce qu'ils veulent qu'il se passe exactement? Je vais reprendre Rome, moi, mais on sera pas forcément tellement avantagés par la prise de Rome. Voilà, on a repris Rome. On a regagné un peu de score de guerre. J'imagine que moi je suis moins bas maintenant. Je suis toujours à moins 44. Ok. Bah, j'y crois pas. Ils vont reprendre Rome direct. J'ai perdu un commandant moi. Toujours un. Est-ce que je suis à moins 43? Maintenant il demanderait moins. Il demanderait juste ma province. Côtière. Si je me rendais, je pense que l'Autriche pourrait gagner. On est à 8, c'est pas si mal. Est-ce que je prends 3 mercenaires pour gagner la bataille? Peut-être. Ah, sauf qu'il y a l'Aragon qui est en train d'arriver. Si jamais on fait la paix avant qu'il resiège Rome, on est bien. J'aimerais qu'on monte à 10, histoire que l'Autriche puisse demander quelques trucs et qu'elle soit contente. Hop, c'est bon, on est à 10.
C'est quand ils veulent. Hein. Là, ils peuvent faire une paix. En plus, ils sont épuisés, Venise. Hop, hop. On a perdu une autre bataille. Auquel je n'ai pas pu participer. Venise cède Istrie à Autriche. Tout ça pour ça. Ah là 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 là. J'ai ruiné mes réserves pour eux. Et pris une expansion telle que je vais devoir garder mes troupes pour éviter d'avoir des hérétiques. Les guerres d'Italie, c'est fini. Je sais pas ce qui s'est passé du coup. Bon, on doit plus avoir le bonus. On aidait l'Autriche à faire ses guerres d'Italie, donc ça devait servir. Moins d'impôts. Ce sera le prix à payer pour une lourde surexpansion. Ah, je suis passé en rouge. Il me dit développe ta province, nom de lion. Tu peux pas développer tes racines. Voilà, on a des séparatistes minces sur la province limitrophe, sur la côte. Là, on est rivaux, ils me donneront pas l'accès. Vérifier quand même, mais. Action pontificale, excommunié. Qui est-ce qu'on excommunie? Sienne, je peux pas. Ah, faut que ce truc-là soit bas. Je peux excommunier Luc. Venise, peut-être. Yeah. Hop. Vilains hérétiques. Aïe, 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 aïe. Aïe, ça pique un peu. J'ai perdu. J'ai perdu. J'aurais dû renforcer mes troupes en fait. Et m'assurer que les troupes dans le bateau étaient pleinement chargées. Parce que j'ai beau avoir plein de. Ah, bon, je suis obligé de débarquer maintenant. 9 sur 5. Bon, alors on peut mettre tout le monde dans nos bateaux. Pas très bon signe. Ça va me prendre un siècle pour virer toute cette surexpansion. Oh yeah, ils sont passés au suivant. J'aimerais bien que la Dalmatie se libère. Cela change tout. En effet, cela change tout. Ça a paru en Castille. Nos fameux ennemis. Oh, le Portugal a pris un bon morceau de territoire. Partagé avec Tafilet le Maroc. On a des hérétiques vaudois. Et moi, je suis passé de l'autre côté. Et ils sont. Beaucoup trop nombreux. Nom de Dieu. Quelle armée de mercenaires il va me falloir pour écraser tout ça. La vénération des reliques. On va baisser ça. Il y a encore la masse de provinces révoltantes? Non, au moins c'est toutes mes provinces. Qui se sont révoltés, j'imagine. Attends, c'est pour 7 d'infanterie ça? Oh là là! Ils se sont payés à prix d'or les mercenaires! C'est carrément ça, Compagnie Franche. Ah, on peut pas les fusionner! Prestige annuel jusqu'à la mort de Pius ou des points? Des points. Ah mince, on peut pas fusionner les compagnies de mercenaires et les autres. Ils ont changé le système des mercenaires et on a 14 000 hommes de réserve. On est 19, ils sont 29. Comment vous dire que je le sens pas très bien? À la limite, ce qu'on peut faire, c'est payer cher la tech. Mais ça devrait me permettre d'avoir des nouveaux troupes. Des nouvelles troupes. Hop, puissance de missionnaire. Du coup, faut que je remonte mon moral. Trahison ou pas, ils paieront. Non, on va rien faire.
J'ai pas vassalisé Sienne. L'Autriche est pas suffisamment fatiguée pour pas les soutenir. C'est-à-dire, moi, ils m'ont épuisé en amenant l'Espagne et tout chez moi. Mais eux, ils vont très bien. Ah, les séparatistes dalmates ont changé de province. Il faudra que j'aille m'en occuper. On aime un peu la Hongrie en fait. Alors, c'est un peu chaud ça. Ils ont pas de commandant, heureusement. Ah, c'est bon. Est-ce que les mercenaires coûtent encore la blinde à financer? Compagnie mercenaire 1. Non, elle ne coûte plus très cher. Il coûte cher à l'achat et après, ça va. C'est la compagnie mercenaire qui est pas passée. Ils ont des réserves. On va les garder pour l'instant. Ils me serviront vu que je n'ai pas de réserve. J'ai fait 3 emprunts également. Ça s'est calmé dans le pays, donc on va limiter les coûts. Bon. J'aurais peut-être pas le temps de faire un épisode très long aujourd'hui. Donc on verra, on verra, on verra. Ne payons personne, contentons-nous de rembourser à grands pas nos emprunts. Ce truc-là, il est chouette, mais en même temps, qu'est-ce que moi ça m'impacte? Rien du tout, c'est pas très drôle de choisir pour rien. Ah, la Hongrie a revendiqué chez moi. Et elle va manger le reste de la botte. Bah, sauf si j'ai la France. Défenseur face à Hongrie dans la conquête hongroise de. Oh, d'accord. Et ils croient qu'ils vont gagner ou quoi? Peut-être. Ils sont peut-être un peu foufous. La Hongrie toute seule, je la vois mal faire quoi que ce soit. Ah, j'ai fait une bêtise, j'aurais pas dû. Je peux peut-être annuler le bâtiment d'ailleurs. Hop. Ça va me rapporter tous les sous, j'espère. Bon, j'ai l'impression. Faut que je rembourse mes emprunts d'abord, moi, avant de faire des bâtiments. Ah. La France a lâché l'affaire, ou alors. Ah non, Luc a lâché l'affaire. Oui, allez-y. Ils sont en guerre contre Aragon, Navarre et tout le tralala. Ils sont alliés à Tafilet, je pense. C'est une guerre pour. Face à Castille, la conquête castillane de Salé. C'est une province là, Salé. Je crois, c'est là. Hop. Rapport financier remboursé. Alors, l'Empire, ça s'est un peu calmé. L'autorité impériale continue à monter, hein. C'est pas très très bien. Ah, oh, pour un point de stabilité et du prestige, j'ai envie de louer ses services, mais c'est vrai que je dois prendre un nouveau emprunt et que ça ne me suffira pas pour rembourser le suivant. Alors, on a des points sur Luc. On peut revendiquer Florence. Ensuite, Sienne. Ah, il y a toujours l'Autriche pour le soutenir, ça m'arrange tellement pas. Et en même temps, qu'est-ce que j'y peux? Pas grand chose. La Hongrie s'est dépêchée de manger ses voisins des Balkans. Peut-être pour empêcher les Ottomans de les manger. Donc du coup maintenant, à frontière avec les Ottomans, il y a moi, la Hongrie et Venise. Et c'est tout. Trois pays catholiques, chrétiens et particulièrement catholiques qui s'assurent de convertir les provinces qu'ils occupent.